بسم الله الرحمن الرحيم <applause> بسم الله عليه من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين حبيبي وحبيبي اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين Mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous étions arrivés à, à, à l'épisode passé sur euh, une question très importante concernant la révélation. Et nous allons essayer Inch'Allah avec euh, ce qui nous est resté comme étant bien des éléments pour qu'on puisse vraiment vous donner ces enseignements concernant la révélation et nous avons essayé de dire dans l'émission passée que nous allons essayer de vous expliquer inch'Allah le sens vrai de la révélation, de la révélation et la prophétie. Ce deux parce que nous avons parlé un peu de la prophétie la séance passée et nous avons dit que le prophète, il est nécessaire dans notre vie parce que lorsque nous sommes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons pour mener une vie, mais une vie que celle soit sociale. Donc en réalité que l'être humain, il est sociable de nature. Il doit il se doit de vivre en société avec ses semblables et cette vie en société avec les semblables consiste réellement à respecter des règles bien définies. Donc dans ce cadre, mes chers professeurs, nous parlons peut-être que celui-là même qui doit essayer d'établir cette règle pour que la règle puisse être réellement totale et vraiment suffisante pour la, une vie sociale pour les êtres humains. Et je crois bien que ça doit être celui-là même qui maîtrise la création de l'être humain parce que l'agent principal de cette vie sociale que l'être humain que, qui, qui existe sur terre et c'est rien d'autre que l'être humain il est au centre de cette vie et les animaux domestiques là, viennent l'entourer l'environnement etc donc il est important mes chers frères de ceux que cet être là puisse réellement recevoir des lois de la part de celui-là même qui respecte euh, le sentiment de ces de, de créatures euh, c'est-à-dire l'être humain aussi bien et il connaît effectivement ses, cette partie, cette entité est très importante que qu'il connaisse réellement l'être humain que lui-même et ses limites, ses capacités, etc. Donc il était vraiment à ignorer effectivement que l'être humain puisse être quelque part, des lois puissent être dictées et légiférées pour des êtres humains qui n'ont pas cette capacité de respecter ces lois-là. Ça ne fait pas partie de la sagesse de celui-là même qui légifère ces lois, qui propose une loi qui puisse réellement équilibrer la société humaine sans pourtant connaître l'être humain en profond. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, cette connaissance d'abord, avant de... Réellement apporter une loi à cette humanité. Donc, il est important, mes chers frères, que nous puissions aussi parler de ce Dieu qui maîtrise mieux et que cette loi ne soit pas faite euh, par des sentiments personnels, mais qu'elle soit, qu soit faite réellement pour équilibrer et faire épanouir la société et tout ce qui va euh, dans le sens des de l'épanouissement de cette société dans le sens de euh, la libération de cette société, dans le sens réellement de vivre ensemble de cette société, de, dans le respect effectivement euh, des semblables, vice-versa, entre l'être humain et ses semblables, l'être humain et l'environnement, l'être humain et les animaux qui l'entourent. Donc effectivement, l'être humain, il est au centre de cette vie sociale, donc il est de nature sociale et sociable. Donc, il est important qu'on puisse l'appeler, l'amener quelqu'un euh, qui puisse le conduire, qui a le, qui a le même sentiment que lui, qui voit les mêmes choses que lui, qui a des mêmes natures que lui. Et cette personne doit être dotée vraiment d'une connaissance aussi suffisante euh, pour qu'il puisse réellement leur proposer une loi aussi bien équilibrée et bien définie, ou aussi très facile à porter sur le dos que l'être humain, dans ce cadre-là, se retrouve euh, étant bien libre avec ses lois, et aussi parti vers la perfection infinie qui est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans ce cadre-là, il est nécessaire que nous puissions faire appel effectivement aux prophètes lorsque les prophètes sont là, et puis que nous puissions demander vraiment euh, les voies qui puissent réellement nous amener vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et Allah, effectivement, dans sa grâce et dans sa sagesse, aussi nous envoie des prophètes en réalité. Mais les prophètes viennent nous donner des enseignements, et cet enseignement, et c'est ce qui est instrumenté dans le cadre de l'islam comme étant bien alloyé. Donc, on parle de la révélation, et nous allons y arriver aussi à la prophétie. Pourquoi alors les prophètes sont envoyés par Allah, subhanahu wa quels sont les apports favorables que les prophètes nous apportent en tant que des êtres humains Et aussi, pourquoi alors Allah Subhanahu wa Ta'ala voit aussi très nécessaire qu'il puisse nous envoyer un être aussi semblable que nous, qui est de même nature que nous, afin de nous communiquer ce message divin Donc lorsque nous en parlons d'un habit, c'est-à-dire que le prophète, qu'est-ce qui est réellement le prophète La compréhension du prophète on a dit que le prophète est découlé, c'est dérivé du de, 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 de nom en Naba, c'est-à-dire que euh, une bonne information, une bonne euh, nouvelle, une nouvelle d'une importance aussi très capitale. Et il y en a qui disent que ça vient de Bonou, Obani, Wabana, et on dit que réellement cette loi, c'est le fait de le côté euh, plus élevé de l'être humain, hein? un, un nouveau plus élevé. Et donc, en, en réalité, si c'est le nouveau plus élevé, celui qui a une largesse aussi bien euh, ample, il a une largesse dans les, dans les dons, bien dons, Donc, on parle de des prophètes. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans ce cadre-là, les prophètes ont été, la prophétie a été définie. et les prophètes comme étant bien dessus, la même qui nous apporte

il dit que le prophète n'est rien d'autre qu'un être humain, il est des natures, de l'être humain qui annonce qu'il est un, un annonciateur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans aucun intermédiaire, il est aussi un être humain naturellement. Donc, vous pouvez comprendre en cela que la prophétie, lorsque vous essayez de voir aussi, lorsque le prophète, le Coran nous rencontre, la prophétie, la prophétie, le Coran nous dit qu'il y a certaines prophéties, ça se passe réellement, directement et indirectement. Et c'est ce que nous pouvons comprendre dans le Saint Coran. Il dit ceci que, il y a des prophéties qui viennent directement, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa il révèle son message au prophète directement sans l'intervention de la révélation, l'ange Gabriel et autres. Directement, il inspire, il envoie ce message dans le cœur de son prophète. Le prophète aussi reçoit ce message et de son tour, il fait de ce message ce qui lui est demandé. Il y a des, des, des révélations directes et les révélations indirectes. Lorsqu'on parle de révélations indirectes, ce sont des révélations qui sont apportées au prophète Mohammed et aux autres prophètes par l'entremise de l'ange Gabriel (alayhi salam) et dans les conditions bien définies, respectant bien sûr les causes de la révélation. De ces versets-là. Donc, il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions comprendre cela. Il y a aussi le deuxième cas lorsqu'on parle de la révélation. La révélation, ce n'est que le fait d'indiquer, d'indication dans la littérature, quest ce qui veut dire un message, en réalité, ou aussi une parole. La révélation, elle peut englober littéralement tous ces noms-là, toutes ces significations, bien sûr. Mais effectivement, lorsque vous essayez de revenir sur le Coran, vous allez trouver que le Coran nous présente quatre formules, quatre manières, quatre différentes sortes de wahai. Il nous, il nous explique effectivement comme étant bien euh, une indication, une indication cachée. Donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala essaie de faire inspirer à une personne il y a aussi l'instinct, l'instinct naturel lorsqu'il inspire ces animaux, c'est instinct naturel dans leur création. Donc, on parle de el et la guidance naturelle. Donc, il est demandé aux anges, euh, aux êtres humains, par exemple les abeilles. Dans ce cadre-là, dans la sourate abeille, verset 68, vous pouvez voir ce verset. Il y a aussi et l'inspiration euh, dans la cachette pour ne pas que les autres puissent être euh, informés de la sorte. Cela veut dire que vous pouvez trouver une personne parmi, parmi vous, Allah peut réellement l'inspirer d'une chose sans pourtant que vous soyez euh, au courant ou informé de cette situation. Donc, comme il s'est passé pour la mère de Moussa, salam, effectivement. Dans ce cadre-là, il y a plusieurs formules de wahai, donc on rentre réellement à la quintessence de l'wahai. Qu'est-ce qui veut dire réellement al-wahai et qu'est-ce qui est réellement al-wahai Al-wahai, vous voyez, lorsque vous essayez de voir, il y a eu plusieurs explications autour de ce sujet concernant la révélation. Que ce soit les occidentaux, les savants occidentaux ont essayé d'expliquer la révélation et de leur manière. Mais effectivement, ces phénomènes-là, en réalité, lorsqu'on veut parler de la révélation, c'est un phénomène qui est aussi très symbolique. Hein? C'est symbolique et aussi fait par des codes. Allah Subhanahu wa Ta'ala peut seulement décoder et déchiffrer cette révélation et son prophète. Donc, nous ne pouvons pas essayer de déchiffrer ce qui est réellement la quintessence des el cest c'est-à-dire la révélation. Nous ne pouvons pas déchiffrer le sens réel et profond de la révélation parce que nous sommes incapables, ça dépasse effectivement l'entendement de l'être humain. Seul Allah Subhanahu wa Ta'ala et son prophète peuvent essayer de déchiffrer ou d'écouter la révélation et nous parler de la quintessence de cette révélation. Donc en fait, lorsque vous essayez de mettre ces choses, vous trouvez que... Et les preuves réellement euh, pour le Nobuwa, c'est-à-dire que la prophétie, quelles sont les preuves de la prophétie Il y a la preuve de la prophétie, c'est que l'Achaïrit, hormis l'Achaïrit, avec l'idéologie que l'école Achaïrit apporte sur la question de la justice divine que nous avons traitée, que la raison de l'être humain elle est incapable. De, de, de comprendre ou la philosophie des lois islamiques et essayer de saisir réellement le sens vrai de ces lois est incapable donc il dit cela et mais il faut comprendre que le fait de la nécessité des lois Pourquoi alors Allah révèle ses recommandations et ses interdits à son prophète et le prophète de son tour nous communique cette ces recommandations divines il refuse catégoriquement le rôle de la raison dans la compréhension des interdits et les recommandations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc dans cette école est ignoré, donc parlant de la philosophie et le sens profond et la nécessité de, de la prophétie est insensé réellement pour cette école. Mais lorsque vous essayez de revenir, mes chers frères et chères, si l'école Moutazalite et imamite, vous allez trouver et effectivement de façon claire qu'ils acceptent euh, en réalité les lois islamiques et ils acceptent aussi que la raison peut essayer de déchiffrer certaines philosophies de cette loi, ces recommandations. La raison peut comprendre certaines lois sans pourtant qu'il y ait l'intervention de la révélation. Donc, dans ce cadre-là, mes chers frères et il est important qu'on puisse parler Al-Qubho al dhatin cest C'est-à-dire les choses qui ne sont pas bien, les choses horribles. Peut-être Allah peut donner cette force à la raison de l'être humain, à l'intelligence de l'être humain de comprendre certaines choses, mais l'autre chose, la révélation vient pour compléter ou parachever ces enseignements qui sont imprégnés dans notre nature. Oh. Lorsque vous avez ces éléments, il est important, mes chers frères et soeurs, mais Al-Mu'tazalit disent que, c'est-à-dire que la nécessité de, de prouver en réalité des preuves sur la, la prophétie sont vraiment beaucoup. Mais ils trouvent comme étant bien la preuve la plus nécessaire, comme étant bien Ka'edatul l'autre, c'est-à-dire la règle de. La faveur. Allah subhanahu wa taala nous a créé et nous mettre dans ce bas bon monde et effectivement il nous a fait aussi des faveurs. Ça fait partie de cette de ces faveurs c'est ce qu'il nous a accordé la vie Il nous a créé la terre il nous a créé le sommeil pour les repos et etc et Mais ce qui est le plus important de ces faveurs là il nous a créé cette doctrine de, du faveur du respect du faveur divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de sa faveur qui est la règle du favoritisme qu'il a essayé de favoriser l'être humain. Il a essayé de révéler des règles bien définies qui puissent rapprocher l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le respect de ses lois et aussi l'éloigner d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans le non-respect de ces recommandations. Il est important que nous puissions aussi vous rappeler que Allah Subhanahu wa Ta'ala s'est porté garant, hein, réalité, de tout ce que nous allons poser sur cette terre. Lorsqu'il s'agit du bien, de nous donner une récompense qui puisse nous amener au paradis infini. Mais aussi de l'autre côté, il nous a promis aussi que tout ce qui est interdit lorsque nous nous menons à commettre ses péchés, et les péchés ne peuvent être que des sources et des causes principales pour nous amener vers l'enfer, que le Seigneur nous en garde. Donc en réalité, il y a la règle de la, la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi qu'on appelle la, la règle raisonnable, philosophique, et que nous pouvons se soumettre ainsi, l'être humain, il est en cours de perfectionnement. Il doit se perfectionner chaque jour. Et c'est ce qui est demandé à l'être humain de se perfectionner. Et cette perfection ne peut se manifester à l'être humain que dans le cadre du respect des recommandations d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et aussi des recommandations de, des règles et tout ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a dicté. Et aussi la prophétie et la tradition de la prophétie du prophète Muhammad. Et ces mouvements et sont faits seulement que pour nous amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est important aussi, mes chers frères et sœurs si en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grandeur, a essayé avec la faveur qu'il nous a accordée, et aussi la raison qu'il nous a donnée que nous devons essayer de partir vers le Père, il y a tout ça, mais alors, quel est le rapport avec le besoin de l'être humain. L'être humain n'a pas besoin de cette loi, n'a pas demandé en réalité cette loi. Et j'allais vous dire que non, l'être humain, il a essayé de demander. Effectivement, et cette demande se fait en réalité dans le cadre de la loi, dans la création, parce que l'être humain a été créé étant bien social et sociable. Celui qui doit lui proposer, c'est, euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, ces règles, en fait, doivent être effectivement quelqu'un qui connaît bien l'être humain, qui connaît aussi ses détails et ses sentiments, qui puisse donner une loi et dicter une loi qui puisse vraiment arranger la société humaine, mais pas seulement arranger, mais que cette loi ne puisse pas être un fardeau insupportable pour les êtres humains. À Allah, subhanahu wa par sa sagesse, il nous dicte des lois, des lois qui ne seront pas aussi, Inch'Allah, lourdes pour notre responsabilité devant lui. Et c'est ce qui dit Rabbanah, la Torah khidna in nasina, Seigneur, nous ne nous juge pas in nasina si nous oublions par les oublis, au ou par les erreurs. Rabbanah, la Torah khidna in nasina, voilà, le Seigneur il nous révèle cela dans le surata, la vache pour dire que ne porte pas sur notre dos, hein, sur notre fardeau, ce que nous ne pouvons pas supporter. Et Dieu essaie de nous dire quelque part, c'est un message qui est derrière cela, c'est une bénédiction, bien sûr, mais aussi il y a un message derrière, et le message dit que Allah Subhanahu wa Ta'ala n'apporte pas. Une loi, quelque chose à l'être humain qui serait peut-être insupportable pour lui. Donc, dans ce cadre-là, mes chers frères, il est important que nous puissions réellement vous révéler cela pour dire que c'est dans ce sens-là que nous pouvons réellement agir dans le respect de cette loi-là. Donc, il y a cette question lorsqu'on parle de la prophétie il est demandé souvent les gens se posent la question concernant la justice divine. Et la prophétie demandant pourquoi moi je n'ai pas été nommé ici bien prophète et pourquoi lui. Et vous voyez, les prophètes ont été choisis, ça c'est le premier point, c'est le choix de Dieu. Et nous n'avons pas le choix devant le choix d'Allah ta'ala et de Dieu. En réalité, ces prophètes-là, lorsqu'on choisit une faute prophète, c'est pour venir enseigner les autres. Et si en même temps tout le monde était prophète, l'enseignement n'aurait pas lieu et il n'auraient pas, pas de prophète. Donc en réalité, voilà comment nous pouvons essayer de juger ces points-là, Inshallah, mes chers frères et sœurs, et Allah ta'ala a fait de l'être humain qu'il puisse avoir besoin de ces lois. Mais celui-là même qui dicte les lois doit maîtriser la création de l'être humain qu'il est composé du côté spirituel et du côté physique. Donc il doit mieux maîtriser le côté spirituel et le côté physique. Pour que la loi soit équilibrée entre ces deux éléments. Et effectivement, et c'est ce que nous constatons que Dieu, il est le créateur de l'être humain et il connaît l'être humain mieux que lui-même. Dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, il y a aussi des valeurs ou des profits lorsque Allah subhanahu wa envoie les prophètes. Le premier profit d'abord, c'est de mettre un équilibre dans la société. Vous voyez lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé au Mecque et vous allez trouver il y avait des conflits entre les Mecquois le prophète avec sa prophétie et avec sa sagesse qui qui le domine il essaie de mettre de faire disparaître ce conflit et ces différent et de mettre les Mecquois et les en, Médinois ensemble ça c'est le premier point le deuxième point c'est que nous avons besoin d'un conducteur qui puisse nous amener vers là la perfection qui est si recherchée par Allah subhanahu wa ta'ala aussi par l'être humain en réalité c'est le but de la création de l'être humain mais partie à la recherche de cette perfection dépend de la capacité de l'être humain et de l'intention qu'il amène et sa propre volonté et c'est ce qui rend d'ailleurs euh, plus intéressant euh, cette perfection ce perfectionnement et ce qui nous amène réellement la prophète c'est de nous enseigner al-kitab Salut le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala Ce n'est pas seulement l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a un but bien recherché Et ce but là Ce n'est rien d'autre que nous puissions Augmenter notre connaissance En Dieu Et effectivement lorsque le prophète vient Il vient en tant qu'un être humain Pas un ange Pour dire aux êtres humains que Allah subhanahu wa ta'ala m'a choisi Comme prophète pour vous Mais afin que je puisse vous conduire Et pour que vous soyez bien conduits et je souhaite être une référence pour vous dans le respect des lois. Donc, les prophètes, ils respectent réellement les lois. Ce sont des références bien définies. Donc, il a été une bonne référence pour toute l'humanité. Donc, en réalité, c'est ça qu'on parle de la prophétie, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur nous engage. Et les prophètes doivent toujours exister ou soit les traces et ceux-là même qui doivent venir les suicider pour bien mener la société vers vraiment à la richesse de, de cette perfection individuelle ou sociale. InshaAllah, mes chers frères et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, 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 ah.